Lignières. On va aller faire un petit tour en... Moi j'ai de la poule au poste. Regarde, attends, je vais te garer. En calèche, pardon. Je cherchais le mot. Jamais. Si, enfin, je peux expliquer. Après, on l'a jamais fait. En Autriche, on l'a fait. Et puis en... Et l'endroit est joli. C'est propre, c'est beau. Samedi 29 juillet 18. Pas les lannes. Il fait pas peur un cheval. On lui a donné à manger avant de venir. Regarde, maman, mets ta main. Regarde, c'est gentil un cheval. Sachant que on lui propose toujours de l'eau, on fait toujours attention. Si on voit que il y a un moment donné, ça fatigue, là on dit stop. Bah oui, c'est pas évident. Voilà. Ça reste quand même des animaux. Après, là, on fait donc la première calèche à 15h. Voilà. Et elle a eu le temps de Mais c'est toujours elle. Alors pour l'instant, elle n'est que elle. Elle a des jours de repos. On lui impose des jours de repos parce que on avait une autre jument il y a 2 ans. Malheureusement, elle s'est blessée, donc on l'a vendue. On ne peut plus l'utiliser, on l'a vendue. Et on n'arrive pas à trouver d'autres chevaux pour remplacer Presqu'île. On en a une actuellement qui est blessée. Mais elle est pas... C'est samedi, c'est la fin de la semaine. Presqu'île de marché. Voilà. Et donc du coup on leur met des masques, alors ça fait, on a l'impression que c'est opaque, mais quand on les rapproche de nos yeux, et donc des yeux des chevaux, on voit tout à fait à travers. Ça fait un peu gris, Presqu'île, allez, c'est, marche. C'est pour les mouches comme ça. Ça t'a mis 6h30 avec Presqu'île. Oui, oui. À savoir que ce bâtiment-là donc sert aux courses, mais quand il est vide, comme là actuellement, il est loué aussi comme salle des fêtes, pour des mariages et séminaires, des cousinades. Il a une autre utilité, oui. Celle en herbe sert exclusivement aux courses de galop. Oui. La barrière intérieure, tout autour, ça fait un grand ovale, fait 1,6 km. Ah ouais, quand même. Et la piste de couleur marron, donc c'est de la pouzzolane, de la roche volcanique broyée, celle-ci sert exclusivement aux courses de trot. D'accord. Alors, comme ce ne sont pas les mêmes allures, le galop c'est une allure qui est sautée, donc il faut de l'amorti, donc l'herbe et la terre apportent cet amorti, alors que le trot, lui, c'est une allure qui est frappée. Donc il faut vraiment un sol plat, tassé, pour pas gêner la gêne de l'huile. Nous, quand on est venu l'année dernière, il y avait un maréchal Ferrand qui faisait Donc on a pu profiter. C'est là-bas dans le fond, là. Vous avez mis là tout bâtiment de gauche. Là. On a eu tous des étals, on va essayer de les mettre. C'était intéressant. Que 10 personnes de 50. Oh, encore, regarde. Non, mais et n'oublie pas, il y a le poids de la. Plus le poids de la calèche. La calèche, elle doit faire 4 ou 5 grands terrains en herbe. Donc il reste au maximum. Comme celui-ci. Et ce sont ce qu'on appelle des obstacles fixes. Donc, ce sont des obstacles souvent un peu dans le style naturel en bois. Et ils sont fixes parce qu'ils ne bougent vraiment pas. Contrairement au saut d'obstacle qui a lieu en carrière. Si jamais le cheval ou le cavalier fait une erreur, le cheval vient à toucher la barre, tombe, ça fait une pénalité. Là, l'obstacle, lui, ne bougera pas d'un centimètre. Tourne à l'intérieur. Voilà. Donc là, entre les poteaux, ces deux poteaux-là, on met la porte A. Entre celui de l'avant, on met la porte B. Puis on revient sur une porte C. Donc on doit contourner vraiment les obstacles. Et déjà à vélo, ça me semble compliqué. C'est pas très large. Celui-ci est assez facile parce que les barrières sont un peu mises en arrondi. Voilà. Alors que l'obstacle, on va peut-être s'en approcher tout à l'heure en fonction de ce qu'il y a à voir. L'obstacle le rouge et noir là-bas qui est tout en bas, c'est le plus difficile. Parce que lui, les barrières sont mises que en pointe. C'est que les virages à l'équerre. Donc une fois que vous êtes engagé à l'intérieur, c'est que les virages à l'équerre. Donc en fonction des différents obstacles, celui avec les cylindres là-bas, logiquement, il y a de l'eau dans les concours. Celui-ci est assez facile à arrondir. Donc
Donc le rouge là-bas, il est très étroit, et là, il y en a un avec du lait vert. En fait, ils ont plusieurs obstacles à faire dans une épreuve. Ils en ont au moins 6, entre 6 et 8. D'accord. Et entre chaque obstacle, ils font moins 2 km. Les ânes. Il y a des beaux casques. Merci. Merci. Il en est un peu amoureux de cette vidéo. D'accord. Donc elle risque très certainement de finir sa vie chez lui. Cool quoi. Cool. Alors éventuellement faire un poulain. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il marche? Allez, c'est pas dit de t'arrêter. Ah oui, elle peut se reproduire. Elle peut encore faire un poulain, voilà. Parce que 15, 16, 17, elle aura sa retraite à 17 ans. Si elle fait un poulain, ce ne sera pas le produit pour elle. Elle pourra encore en faire 3, 4. Et dans ce cas-là, c'est vous qui trouvez son compagnon, on va dire, qui choisissait les talons. Oui. Si mon collègue la France sera lui de choisir, oui. Les talons qui. C'est pas par rapport à la race ou. Et le marron, c'est un âne bourbonnais. Donc en France, on a 7 races d'âne. Et le noir, c'est un âne des Pyrénées. Donc la petite grise, c'est la plus jeune du pôle, elle a bientôt 2 ans. Donc c'est pour ça qu'elle a encore un peu ce gros poil, ce gros duvet de bébé, noir du bébé, noir de grande taille, beaucoup d'os. Alors que le Pyrénées a exactement la même couleur, sauf qu'il est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. D'accord. Et c'est vraiment comme ça, il a des longs poils été comme hiver. Il est moche. Donc le nôtre... Il connaît pas le coiffeur. Alors, depuis le printemps, on brosse. Alors, nous, ça nous fait mal au cœur. Mais c'est vrai qu'il a l'air un peu belle. Ça fait pas beau. Ça fait mal entretenu. Les pattes, ça va là. Oui. Ça fait pas entretenu. Non, mais ça fait pas beau. Elle nous a dit il va pas être beau le temps que ça fasse vraiment des longs. Que ça repousse. Que ça repousse vraiment. Donc il faut attendre. Il lui faut presque plus d'un an pour apprendre équivalent les grandes guenilles. Donc on dit doyen parce que c'est plus vieux, mais il a encore de longues années devant lui. 24 ans. Voilà, 24 ans, il peut aller encore jusqu'à 40. C'est l'été dernier, malheureusement, on a perdu notre âne normand. Lui, il est mort à l'âge de 43 ans. Petit Ernest. Il est mort dans les têtes. Donc marron avec cette croix de Saint-André qu'on distingue mal, mais il a sa croix de Saint-André sur le dos. Ah, mais on voit une petite. Le gris, là, c'est l'âne du Cotentin. Donc le Cotentin, c'est vraiment la pointe de la Manche. Donc gris avec cette croix de Saint-André aussi. Et avec eux, donc, c'est un croisement, c'est un mélangé grand noir du Berry, comme on a vu, et Pyrénées. Il a les deux races. Et c'est 3 mâles. Ce sont 3 mâles, 3 mâles castrés, donc 3 ongres. Un cheval, dès qu'il travaille, là on va devoir le nourrir avec de l'or, des granulés. Il ne travaille pas l'hiver, on lui enlève les fers. Allez, ce qu'on appelle pine. Et là, couché, quand je vais m'approcher pour prendre la montée, vous avez dans le champ couché, donc ce sont 2 ânes du Cotentin. Malheureusement, ils vont rentrer. A eu Adia. C'était pas droite et gauche, c'était A eu et Adia. Pour marcher, c'était un autre terme. Ça gênait pas. Maintenant, c'est que les chevaux, en fait, ils sont vendus, ils se vendent d'une écurie à une autre. Il faut qu'ils parlent le même langage. On a pris les termes, on va dire, tout simplement à droite, à gauche, on connaît, marché, gros, recul. Voilà. Après, voilà, c'était surtout du patois. Je connais des meneurs. C'est vrai qu'elle a plein de mouches autour d'elle. C'est vrai, c'est une grosse carrière officielle. Elle est très grande parce qu'en fait, elle a une dimension internationale. Habituellement, souvent, on en voit des un peu plus petites, des moins larges. Mais celle-ci est aux dimensions internationales pour vraiment accueillir toutes les compétitions. Se lit vivement la tête. Elle parlait en pâture en fait. Oui, alors elle vit au pré. Oui. Là je suis allée la chercher à 14h et ce soir elle retourne au pré. Elle vit au pré. On la met dans nos bâtiments, nos stabulations ici, vraiment quand il fait mauvais temps, quand le matin on débarque au bonheur, Ah bon, on rentre pas à la maison tout de suite? Non, mais c'est juste que si je lui dis pas ça. Ça tourne sec quand même. Quand tu vois la plage, comment on est derrière. On est revenu au point de départ. C'est ça. Et pleine de mouches à ce point. Bien, j'en pense pas qu'il y a des potées au même endroit. Ça fait très bien. Pour retourner au niveau
chemin des Alpes. Justement, c'est de la découverte. Regardez là-bas la calotte. Et j'ai deux ânes en même temps. Hein. Trois hommes. Là. Briquet qui s'appelle Briquet. Oui, parfait. Oui, Briquet. Il est triste de t'avoir, lui. Hein. Oh. Il affiche les enfants sur Facebook. Les ânes, ça a toujours attiré les enfants. Oui, mais regarde, ça servait quand même beaucoup. Là, c'est des ânes. Oui, ça promet, c'était des landaux. Oui, pas vrai. C'est pas vrai. Mais avant, on disait qu'il bête quand même. C'est pour ça qu'il est. Têtu, sinon. On disait, mais pas. Têtu comme un âne, non? Oui, têtu comme un âne. Il dit bête. Il dit bête. Parce que c'est pour ça qu'il donnait des ânes. Mais c'est les anciens, parce que ça serait genre le musulien, je suppose. D'accord. Comme une grande. On dirait un panier à salade. L'ancien. Là-bas. Un ancien panier à salade de l'époque. En dessous d'un marteau. L'icole de foie. Ouais, donc c'est ça, tu vois, c'est les gommes, c'est pour mettre sur le museau. De foie. Donc c'est tous les anciens. Parce qu'on voit bien que c'est pas très bien. En Provence, le drail. Le drail. Moi, bon, j'ai toujours mis A, on va mettre B. Hein. Bon, on va mettre B. Patricia. Perdu. Non, c'est un petit peu. Mais c'est un en fait. Si on a senti. 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 On a senti